Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux. Car un homme qui risque de craindre que sa vie soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. Je n'ai reçu en héritage ni Dieu, ni point fixe sur la terre d'où je puisse attirer l'attention d'un Dieu. On n'a pas non plus légué la fureur bien déguisée du sceptique, les ruses de Sioux du rationaliste ou la candeur ardente de l'athée. Je n'ose donc jeter la pierre ni à celle qui croit en des choses qui ne m'inspirent que le doute, ni à celui qui cultive son doute comme si celui-ci n'était pas lui aussi entouré de ténèbres. Cette pierre m'atteindrait moi-même, car je suis bien certain d'une chose, le besoin de consolation que connaît l'être humain est impossible à rassasier. En ce qui me concerne, je traque la consolation comme un chasseur traque le gibier. Partout où je crois l'apercevoir dans la forêt, je tire. Souvent, je n'atteins que le vide, mais une fois de temps en temps, une proie tombe à mes pieds. Et comme je sais que la consolation ne dure que le temps d'un souffle dans la cime d'un arbre, je me dépêche de m'emparer de ma victime. Qu'ai-je alors entre mes bras? Puisque je suis un solitaire, une femme aimée ou un compagnon de voyage malheureux, poète, un arc de mots où je ressens de la joie et de l'effroi à bander. Puisque je suis un prisonnier, un aperçu soudain de la liberté. Puisque je suis menacé par la mort, un animal vivant et bien chaud, un cœur qui bat de façon sarcastique. Puisque je suis menacé par la mer, un récit de granit bien dur. Mais il y a aussi des consolations qui viennent à moi sans y être conviées et qui remplissent ma chambre de chuchotements odieux. Je suis ton plaisir, aime-les tous. Je suis ton talent, fais-en aussi mauvais usage que de toi-même. Je suis ton désir de jouissance, seul vive les gourmets. Je suis ta solitude, méprise les hommes. Je suis ton aspiration à la mort, alors tranche. Mais l'humanité n'a que faire d'une consolation en forme de mots d'esprit. Elle a besoin d'une consolation qui illumine. Personne ne peut énumérer tous les cas où la consolation est une nécessité. Je peux rester assis devant un feu dans la pièce
la moins exposée de toutes au danger, et sentir soudain la mort me cerner. Elle se trouve dans le feu, dans tous les objets pointus qui m'entourent, dans le poids du toit et dans la masse des murs. Elle se trouve dans l'eau, dans la neige, dans la chaleur et dans mon sang. Que devient alors mon talent, si ce n'est une consolation pour le fait que je suis seul? Mais quelle épouvantable consolation qui me fait simplement ressentir ma solitude 5 fois plus! Je peux voir la liberté incarnée dans un animal qui traverse rapidement une clairière et entendre une voix qui chuchote « Vis simplement, prends ce que tu désires et n'aie pas peur des lois !» Mais qu'est-ce que ce bon conseil, si ce n'est une consolation pour le fait que la liberté n'existe pas ? Et quelle impitoyable consolation pour celui qui s'avise que l'être humain doit mettre des millions d'années à devenir un lézard ! Je ne possède pas de philosophie dans laquelle je puisse me mouvoir comme le poisson dans l'eau, l'oiseau dans le ciel. Tout ce que je possède est un duel. Et ce duel se livre à chaque minute de ma vie entre les fausses consolations qui ne font qu'accroître mon impuissance et rendre plus profond mon désespoir. Elle est vraie, qui me mène vers une libération temporaire. Je devrais peut-être dire la vraie, car à la vérité, il n'existe pour moi qu'une seule consolation qui soit réelle, celle qui me dit que je suis un homme libre, un individu inviolable, un être souverain à l'intérieur de ses limites. Mais, venant d'une direction que je ne soupçonne pas encore, voici que s'approche le miracle de la libération. Cela peut se produire sur le rivage, et la même éternité qui tout à l'heure suscitait mon effroi est maintenant le témoin de mon accession à la liberté. En quoi consiste donc ce miracle ? Tout simplement dans la découverte soudaine que personne, aucune puissance, aucun être humain n'a le droit d'énoncer envers moi les exigences telles que mon désir de vivre vienne à s'étioler, car si ce désir n'existe pas, qu'est-ce qui peut alors exister ? Puisque je suis au bord de la mer, je peux apprendre de la mer. Personne n'a le droit d'exiger de la mer qu'elle porte tous les bateaux. Au du vent qui gonfle perpétuellement toutes les voiles. De même, personne n'a le droit d'exiger de moi que ma vie consiste à être prisonnier de certaines fonctions. Pour moi, ce n'est pas le devoir avant tout, mais la vie avant tout. Tout comme les autres hommes, je dois avoir droit à des moments où je puisse faire un pas de côté et sentir que je ne suis pas seulement une partie de cette masse que l'on appelle la population du globe, mais aussi
Ce n'est qu'en un tel instant que je peux être libre vis-à-vis de tous les faits de ma vie qui, auparavant, ont causé mon désespoir. Je peux reconnaître que la mer et le vent ne manqueront pas de me survivre et que l'éternité se soucie peu de moi. Il est absurde de prétendre que la mer soit faite pour porter des armadas et des dauphins. Certes, elle le fait, mais en conservant sa liberté. Il est également absurde de prétendre que l'homme soit fait pour autre chose que pour vivre. Certes, il approvisionne des machines et il écrit des livres, mais il pourrait tout aussi bien faire autre chose. L'important est ce qu'il fasse, ce qu'il fait en toute liberté et en pleine conscience de ce qu'il est une fin en soi. Il repose en lui-même, comme une pierre sur le sable. Mais tout ce qui m'arrive d'important et tout ce qui donne à ma vie son merveilleux contenu. La rencontre avec un être aimé, une caresse sur la peau, une aide au moment critique. Le spectacle du clair de lune. Une promenade en mer à la voile. La joie que l'on donne à l'enfant. Le frisson d'avant la beauté. Tout cela se déroule totalement en dehors du temps. Car peu importe que je rencontre la beauté, l'espace d'une seconde ou l'espace de 100 ans, non seulement la félicité se situe en marge du temps, mais elle nie toute relation entre celui-ci et la vie. Pas en mon pouvoir de rester perpétuellement tourné vers la mer et de comparer sa liberté avec la mienne. Le moment arrivera où je devrai me retourner vers la terre et faire face aux organisateurs de l'oppression dont je suis la victime. Ce que je serai alors contraint de reconnaître, c'est que l'homme a donné à sa vie des formes qui, au moins en apparence, sont plus fortes que lui. Selon moi, une sorte de liberté perdue pour toujours ou pour longtemps, c'est la liberté qui vient de la capacité de posséder son propre élément. Pharaoh avait encore la forêt de Walden, mais où est maintenant la forêt de l'être humain pour qu'il puisse prouver qu'il est possible de vivre en liberté, en dehors des formes figées de la société. Je suis obligé de répondre. Nulle part. Si je veux vivre libre, il faut pour l'instant que je le fasse à l'intérieur de ces formes. Le monde est donc plus fort que moi.
son pouvoir. Je n'ai rien à opposer que moi-même. Mais d'un autre côté, c'est considérable, car tant que je ne me laisse pas écraser par le nombre, je suis moi aussi une puissance. Redoutable tant que je puis opposer la force de mes mots à celle du monde, car celui qui construit des prisons s'exprime moins bien que celui qui bâtit la liberté. Mais ma puissance ne connaîtra plus de bornes le jour où je n'aurai plus que le silence pour défendre mon inviolabilité, car aucune hache ne peut avoir de prise sur le silence vivant. Telle est ma seule consolation. Je sais que les rechutes dans le désespoir seront nombreuses et profondes, mais le souvenir du miracle de la libération me porte comme une aile vers un but qui me donne le vertige. Une consolation qui soit plus qu'une consolation et plus grande qu'une philosophie, c'est-à-dire une raison de vivre.